Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles et bonjour messieurs. Avant l'entracte, durant cette première partie de notre concert, vous avez pu apprécier le talent de nos jeunes musiciens, qui, vous le savez, sont l'avenir de l'harmonie, union et progrès. C'est grâce à eux que nous allons poursuivre et assurer la pérennité de notre société, dont l'histoire, qui a débuté en 1860, ne s'est jamais arrêtée depuis 156 ans. Même notre nouvelle doyenne de l'humanité, l'italienne Emma Morano, qui a 117 ans, est trop jeune pour avoir connu la création de notre musique. Vous venez d'écouter un extrait de From the Planets de Gustav Holst, qui s'intitule Jupiter. C'est l'occasion d'avoir une petite pensée pour Thomas Pesquet, notre astronaute français qui vient d'arriver à bord de la Station Spatiale Internationale. Nous allons maintenant poursuivre notre deuxième partie de concert avec Magique Ouverture de Thomas Doss. Excusez-moi, mais je précise pour certains musiciens qui se reconnaîtront que c'est bien Magique Ouverture que nous jouons tout de suite et pas Impériale Ouverture que nous exécuterons à la fin du concert. Il ne faut pas se tromper de partition, vérifiez bien sur certains pupitres. Ce morceau est de circonstance puisque, comme son nom l'indique, c'est une ouverture et aussi parce que cette pièce raconte une promenade nocturne dans un froid glacial au milieu d'un splendide décor enneigé. Nous partons donc pour une petite marche nocturne au chauffe-eau. Nous serons éclairés par la lueur orangée des lampadaires. Nous passerons au milieu du village et au milieu des chalets. Nous arpenterons la rue du Nœud Clos et devant le numéro 22 de la rue du Nœud Clos, nous pourrons entrevoir par les fenêtres le feu qui crépite dans le foyer. On verra peut-être Sifeta qui remet du bois dans la cheminée. Et si on a de la chance, on apercevra Jérémy en train de cuisiner un bon petit plat. Attendez, je vous rappelle que c'est une fiction. C'est juste pour vous mettre dans l'ambiance et ressentir l'atmosphère feutrée de cette maison chaleureuse. Vous pourrez apprécier un solo de cornet de notre tout jeune Guillaume Fèvre-Piret. Et vous pourrez aussi écouter Théo Mollier au chime qui veut dire carillon en français. D'ailleurs, nos quatre percussionnistes, Serge, Théo et les frères et sœurs Arnaud et Colline vont s'en donner à cœur joie dans ce morceau. Solo de triangle, sifflet, il y a du klaxon de vélo et tout ce qu'ils auront sous la main. Vous pourrez aussi entendre un son bizarre à la trompette. C'est le flatter zung. Cela vient de l'allemand zung, la langue, et flatter voltigé. C'est une technique qui consiste à faire un battement de langue répété contre les dents pendant que le musicien souffle dans l'instrument. Cela produit un petit effet de trémolo. Notre trompettiste Xavier va vous remontrer. Il est spécialiste en flatter zung. Il a eu son examen fédéral avec brio en trompette, option voltige de la langue. Alors maintenant, commençons notre promenade dans les hauteurs de Villers-le-Lac. Voici Magique Ouverture de Thomas Doss sous la direction de Sylvain Pienot. Thank you.
Maintenant, laissons le froid sec de nos montagnes pour gagner le froid humide des océans. Direction le Cap Horn, qui est à l'extrême sud du Chili. C'est l'un des passages maritimes les plus dangereux au monde. Il a la réputation d'être un cimetière marin, car il y a plus de 800 navires et environ 10 000 hommes qui ont disparu dans les eaux glacées au moment de doubler le Cap Horn. Le Cap Horn aurait pu s'appeler le Cap Pissou, si le premier navigateur à franchir ce passage en 1616 était originaire du Pissou. Mais non, c'est le néerlandais Willem Cornelis Soesten qui fut le premier, et il le baptisa ainsi d'après son lieu de naissance, la ville de Hoorn, aux Pays-Bas. Alors, actualité oblige, embarquons à bord d'un monocoque de compétition qui participe au Vendée Globe. Ces bateaux à voile de course, d'une valeur pour certains de plus de 3 millions d'euros, peuvent atteindre la vitesse de 55 km/h avec la seule force du vent. La distance à parcourir de cette course, c'est juste un tour du monde. Soit en théorie 40 000 km si les skippers avançaient en ligne droite, mais dans la réalité, ils sont obligés de louvoyer et de zigzaguer, et ils sillonnent donc plus de 50 000 km pendant la course. Au dernier pointage de ce matin, le Breton Armel Le Clèche, sur Banque Populaire, se retrouve devant l'Anglais Alex Thompson sur Hugo Boss. Je précise juste pour Matteo et tous ceux qui ont l'esprit mal placé et qui ne connaissent rien au Vendée Globe, que Alex Thompson sur Hugo Boss n'a aucune connotation avec la reproduction. C'est juste que dans le monde des bateaux de course, c'est comme dans le cyclisme, au Tour de France, on nomme les équipes par le nom des sponsors. Revenons à la course, incroyable. On m'apprend pour l'instant qu'un nouveau concurrent vient juste de prendre la tête et de doubler Alex sur Hugo Boss, c'est Jean-Pierre Pierret sur Anne-Charlotte. En effet, c'est une fiction. Anne-Charlotte, c'est le nom du sponsor du bateau, la parfumerie de Morteau. Mais je vois que Cathy, son épouse, me fait des gros yeux, alors je vais changer le nom du sponsor du bateau. Alors on pourrait prendre Saucisse de Morteau, pas mieux. Alors ça y est, on va prendre. Le nouveau leader de la course, c'est Jean-Pierre Pierret, qui peut commencer à s'installer, et sur le bateau sponsorisé par le GAEC des bassins du Doubs. Dans cette œuvre, écrite pour un solo de corps, c'est comme une course en solitaire. Il faut un marin expérimenté. C'est Jean, notre corniste. Mais il faut aussi une équipe de maintenance qui l'entoure et le soutient. C'est nous, l'Orchestre de l'Harmonie. Il faut une bonne préparation en amont. Ce sont nos répétitions. Il faut aussi, pendant la course, une équipe d'assistance qui est reliée en direct par téléphone satellite. C'est la mission de son neveu Guillaume Fèvre-Pierret au Cornet, car au milieu de la course, ils vont échanger et se répondre par liaison satellite pendant un petit solo. Il y aura un échange entre le cor et le cornet, entre le corniste et le cornettiste, entre l'oncle et le neveu. C'est pendant ce moment d'échange que les clarinettes, les basses et les flûtes improviseront un bruit de fond qui représente les vagues de l'océan, avec les percussionnistes aux bâtons de pluie et aux chimes. Là, on s'y croirait. Et pour chapeauter le tout, il faut un directeur de course qui soit enfin tacticien. C'est bien sûr notre chef Sylvain. Pour que vous ne soyez pas choqués, il faut une dernière petite explication, car au milieu du morceau, notre soliste va vider ses coulisses. Certes, avec tact et élégance, et dont le bure s'en échappera et s'échouera délicatement sur le sol. D'habitude, nous faisons cela discrètement, cachés derrière nos pupitres. Mais là, tout seul devant vous, il ne pourra pas se dissimuler. Certains le savent peut-être, mais c'est tôt. Ce n'est pas, comme beaucoup peuvent indûment le penser, de la bave. Car nous ne crachons pas dans nos instruments à vent, c'est juste un phénomène physique naturel qui se nomme la condensation. Donc ce qui s'échappe de la coulisse, c'est simplement de la vapeur d'eau. Embarquons maintenant pour le passage tant redouté des marins. Ce morceau reflète la beauté et les dangers de cette région. Voici Cap Horn de Otto Schwartz, avec à la barre notre skipper Jean Fèvre-Pierret, sous les ordres de notre capitaine Sylvain Viennot. Thank you.
Thank you.